Ouais, change d'un truc comme ça. Yo les gars, c'est Zarko, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez rapide, comme vous pouvez le voir à la longueur de la vidéo. Vidéo de 4 minutes 51, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais c'est juste une vidéo information. Comme vous aurez pu le voir au titre, on va un peu parler des vidéos qu'il y aura pendant ce mois de décembre sur la chaîne. Comme d'habitude, hein, je pense que vous le savez. Si vous me suivez depuis, bah ça va bientôt faire 3 ans que la chaîne est ouverte. Vous savez très bien que le mois de décembre, c'est le mois un peu particulier de l'année, c'est le mois où on est en examen. Du coup, c'est le mois où les vidéos sont vraiment très difficiles à sortir. Ne m'en voulez pas, hein, mais bon, comme j'ai dit, je préfère vite terminer mes examens et après faire les vidéos plutôt que de me planter totalement sur les examens, ce qui est un petit peu logique, ça me semble un peu normal de toute façon. Pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que le gameplay en fond, c'est un gameplay qui date d'il y a, ouais, il date d'il y a un an le gameplay en fait. C'est un gameplay qui date, comme je disais, plus ou moins d'un an. Et sur Battlefield 1, je sais absolument pas c'est quoi le nom de la map, je sais absolument pas l'arme que j'utilise. A la base, je devais faire un commentary sur Rainbow en live, puis je dis écoute, ça sert à rien que je prenne une game entière de Rainbow pour raconter de la merde, et puis je vais être en live, du coup je tire de la merde. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant de prendre un vieux gameplay qui me restait, je vous le propose. Et c'est vraiment ce qui me restait, le plus profond de mes gameplays, il me restait ça, je dis écoute, on va le mettre. Je sais absolument pas si c'est de bonne qualité ou pas, mais ça suffira juste pour dire ce que j'ai à dire. Du coup, à l'heure où je vous fais cette vidéo, enfin le jour où je vous fais cette vidéo, on est le 4 décembre, il est 22h20 plus ou moins, et je pense que vous devez savoir, demain c'est la sortie de la nouvelle opération sur Rainbow Six, hein. Il s'agit de l'opération White Noise, et du coup, ce que je vais faire avec la sortie de ce nouveau DLC, c'est que je vais vous faire une vidéo présentation des trois agents, donc de Kaibi, Vigil et Zofia, et je vous ferai un tuto pour jouer avec chaque agent. Je sais très bien qu'il y a énormément de personnes qui ont déjà fait les tutos, sachant que les agents sont sortis sur le TTS, mais ce sera ma version des choses à moi. Vous vous en doutez bien que je n'ai absolument pas les mêmes avis et les mêmes conseils à vous donner qu'au White Shark, c'est tout à fait normal par exemple. Du coup, je vous ferai une vidéo sur ces agents là, je ne vous promets pas qu'elle viendra. Enfin, je ne vous promets pas que ces vidéos viendront cette semaine, c'est absolument pas possible. Mais je vais essayer de sortir ces vidéos avant la fin du mois de décembre, voilà. Et il y aura toujours le même rythme de vidéos, je vais essayer de dire, habituel. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine, c'est-à-dire soit un gameplay en ranked, soit une compilation. Pour les compilations, ça va être un peu plus difficile parce qu'il va falloir que j'ai énormément de clips pour les condenser au maximum pour que vous ayez une compilation par semaine. Et en ce qui concerne les gameplays en ranked, là, je peux essayer d'en sortir, mais ça dépend avec qui je suis en fait. Parce que pour l'instant, je suis quasiment le seul à jouer à Rainbow. Je joue plus avec Chloé. Ça fait longtemps que je joue avec elle. Du coup, je pense que les gameplays qui restent avec elle, c'est des vieux gameplays que j'ai mis sur la chaîne. Hein, c'est saison 7. Ça fait plus ou moins un mois et demi qu'on n'a pas joué ensemble. Et en ce qui concerne ben, les poteaux, ils ont totalement décroché Rainbow à cette saison. Je peux les comprendre. Hein, même moi aussi, pendant un moment, je vais y arrêter. À cause de la méta avec Ella, Légion et tout ça qui était un petit peu infâme. Ce qui fait que du coup, cette saison 7, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué. Et j'espère que cette saison 8, donc, qui sort à partir de demain, va rattraper le coup. Parce que sinon, pour les gameplays en rank, c'est un petit peu plus difficile. Dans le pire des cas, j'irai en solo. Vous proposez de la rank en solo. Ou alors, je ne sais pas si vous connaissez vraiment Shadow Inti. J'ai déjà fait quelques gameplays avec lui. Il m'a proposé de jouer avec certains de ses potes à lui si ma team arrête totalement Rainbow Six. Du coup, il est possible que vous ayez des gameplays en rank avec différentes personnes, ou si d'ici là, avec Chloé, on décide de rejouer ensemble à Rainbow Six, ben vous aurez des gameplays avec elle. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère que le gameplay vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Je serai un tout petit peu moins présent durant ce mois de décembre, mais je pense que vous pouvez comprendre. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Zarko. Bye, 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 bye.